We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, good afternoon everyone, and welcome to this Bonjour à tous. Bienvenue à cette session plénière dans le cadre de notre sommet IGF de 2021. On va parler de multilingualité. Et cette session est organisée avec la participation de nombreux de nos partenaires. Je suis très heureuse d'être là comme modératrice ensemble avec Sylvia Cadena. Bonjour à ceux qui se trouvent sur place à Katowice et qui sont en ligne avec nous. C'est un grand plaisir pour nous de vous soyez avec nous. Il y a quelques instants, à peine, le panel précédent s'est terminé concernant sur le du réseau pour la politique de vrai accès. Mais j'aimerais commencer à temps parce que nous avons d'excellents intervenants dans le cadre de cette session, Dorin Bogdan-Martin de l'ITU et M. Tariq Jelassi de l'UNESCO. Il est mon honneur de vous voir ici avec nous. Ce débat est très important dans le contexte de l'accès réel à Internet. Je vais donc donner la parole à Dorin Bogdan-Martin. Dorin Bogdan-Martin a déjà intervenu lors d'autres sessions de ce forum. J'imagine que vous la connaissez déjà. Je suis une enthousiaste du travail de Dorin. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle met en avant l'inclusivité numérique. Et c'est la première femme à la tête de son organisation, l'Alliance internationale des télécommunications. Nous sommes très fiers de toi, Dorin. Commençons donc cette session. Nous allons passer directement, je vous le propose, à l'intervention d'introduction. Ah, vous, je rougis à vous écouter. C'est très gentil cette présentation que vous avez faite. Vous savez, au-delà de l'honneur, c'est un plaisir de participer à ce colloque pour ce qui est de consacré à l'inclusion, voire l'inclusivité, et notamment au multilinguisme, qui est un aspect important, parce que pour être inclusif, il faut être multilingue. Donc, connectivité réelle, connectivité porteuse de valeur. Nous avons de nouvelles données qui ont été publiées par l'ITU, ce qui commente l'état, entre autres, de la connectivité de par le monde. Ces nouvelles données montrent la circulation dont on est témoin sur Internet. Il y a beaucoup d'usagers sur Internet. Alors, ça vient de la pandémie de Covid-19, mais pas seulement. 800 millions de nouveaux usagers entre 2019 et 2021. Bien entendu, c'est la plus forte augmentation que nous ayons observée ces 10 dernières années, ce qui signifie que nous avons environ 5 milliards d'usagers d'Internet, 5 milliards d'internautes. Je l'ai déjà dit lors de l'ouverture de ce sommet de l'IGF, je disais que c'était une tendance positive et je le réitère, mais derrière ce chiffre brut, on a toute une diversité de situations en réalité, avec de fortes disparités. Il y a encore beaucoup de gens qui sont offline, qui ne sont pas connectés dans le monde. Alors quand on parle de connectivité réelle, eh bien il faut avoir ça aussi à l'esprit. Merci à Sonia. Sonia est membre de notre groupe de travail. Je voudrais aussi remercier mon collègue Tafik de l'UNESCO. Dans le cadre de notre commission, nous essayons de définir ce qu'est un accès véritable, un accès pratique à Internet, à la large bande passante, avec une rapidité satisfaisante, avec un prix raisonnable.
C'est ça, la vraie liberté, c'est ça. On a à peu près 95% de la population mondiale qui est connectée via téléphone, qui a le téléphone, si vous voulez, avec une connexion mobile. Bon, ça veut dire qu'on a quand même 5% qui ne l'ont pas. Nous avons déjà dit et entendu parler des divers obstacles. Il y a la question du prix, l'abordabilité ou non de l'accès à Internet. Ce qui manque aussi parfois, c'est effectivement des savoir-faire, des compétences numériques, mais aussi des ressources linguistiques satisfaisantes. Il y a à peu près 7000 langues dans le monde. Mais en ligne, en fait, c'est 10 langues qui se partagent la grosse part du gâteau. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui sont coupés de la connaissance sur Internet parce que les contenus sur Internet ne sont pas dans leur langue. Et une langue, vous savez, c'est plus qu'une soupe de consonnes, de voyelles et de grammaire. Les langues définissent, déterminent notre mentalité, notre culture, la manière dont on perçoit le monde, dictent une certaine manière d'interagir avec autrui. Et nous n'atteindrons pas nos objectifs, les objectifs que nous plaçons sous les mots d'un Internet, d'une toile unie, unifiée, sans prendre en considération toute la richesse de la palette linguistique de l'humanité qui fait aussi sa richesse. Ça veut dire qu'on ne pourra pas parler d'une véritable connectivité mondiale tant que l'espace numérique ne sera pas multilingue. Des progrès ont été notés en la matière grâce au domaine, aux noms internationaux de domaines, de sites. On a d'ailleurs des outils de traduction automatique. Nous avons également des systèmes qui permettent de transformer la parole en texte. On a des outils tels que l'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir aspect à diverses ressources linguistiques, mais la réalité est que rares sont les outils en ligne qui sont vraiment disponibles en de nombreuses versions. Effectivement, de riches ressources de données sont de ce fait inaccessibles à toute une masse de gens qui n'ont pas la possibilité de consulter les ressources de connaissances qui sont disponibles sur Internet. Il est donc important que nous travaillions ensemble à faire d'Internet un espace multilingue. Récemment, j'ai été informé de travaux réalisés par des activistes, des militants en Afrique. Il y était question d'une coopération avec des organismes tels que Wikimedia, le but étant d'améliorer la présence en ligne de langues telles que l'Ouzoulou, l'Igbo, d'autres langues africaines. En Europe aussi, il y a des alliances qui sont créées de manière à donner plus de place à des langues et dialectes européens trop peu représentés, souvent des langues qui ne sont pas les langues officielles dans les capitales des pays. Il s'agit de promouvoir aussi plus d'accessibilité Internet localement. J'en arrive à la fin de mon intervention qui avait avant tout vocation à être une introduction. Je voudrais faire référence au programme adopté en Tunisie lors du sommet mondial de la société d'information. En coopération avec Sonia et Marcus, nous avons participé à ce sommet et je pense que c'est là encore un document sur lequel nous reviendrons, tout en nous souvenant, en gardant à l'esprit que de nombreuses choses restent à faire. Mon organisation, l'ITU, a adopté le décret 133 qui réaffirme notre engagement à la promotion de la diversité linguistique. Merci
de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce sujet ici. Je voulais aussi ajouter que lors des éditions à venir nous allons parler ICT, technologie ICT et de l'accès aux populations et cultures indigènes à Internet. Nous organiserons un hackathon avec des prix à gagner. Et puis, pour terminer, ce que je vous dirais, c'est que je tiens à ce que chacun puisse avoir accès à Internet et aux ressources formidables qui s'y trouvent, quel que soit le lieu que vous habitez et la langue que vous parlez. C'est un élément absolument central de notre vision d'une toile unifiée et d'une planète unifiée qui ne laisse personne au bord du chemin. Merci beaucoup. J'espère que l'espace numérique deviendra un espace riche, mettant en avant la richesse que porte la diversité, et la diversité linguistique notamment. Merci beaucoup. Ce que j'ajouterais, c'est que c'est avec plaisir que... j'aime votre regard. Et la diversité le regard que vous portez sur la diversité. Il y a encore des points d'amélioration. La route sera encore longue. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais c'est bien pour ça que nous avons réuni des représentants de diverses agences de l'ONU aujourd'hui qui travaillent à approfondir les diverses dimensions, les diverses facettes de ce sujet qu'est l'accès à Internet. Le multilinguisme est un de ces aspects. Merci Dorine pour cette introduction. Je vais maintenant avoir le plaisir, parce que c'est un vrai plaisir, parce que non seulement je vous ai présenté Dorine, dont je suis une admiratrice, mais en plus je vais vous présenter le docteur Fikor Taoufik Gelassi, qui travaille à l'UNESCO. Il est assistant au secrétaire général de la communication et il a déjà pris la parole lors de diverses sessions. Je pense qu'il ne vous sera pas étranger. Vous n'êtes pas à ce poste depuis très longtemps, mais c'est et cependant, j'ai l'impression que de vous connaître depuis des années. Merci beaucoup de participer à ce colloque, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette... à la présentation que vous avez faite. Dorine est notre partenaire. Dorine est la représentante de l'ITU, elle est partenaire de l'UNESCO en matière de travaux sur l'accès à la large bande passante. Je voudrais ajouter maintenant quelques remarques que j'estime assez importantes pour le faire. Je pense que le droit à parler et à lire sa langue, ça fait partie des droits de l'homme. Les langues sont des trésors en eux-mêmes. Et la question qui se pose maintenant est de savoir ce que l'on pourrait faire pour le multilinguisme, pour la diversité des langues dans l'espace numérique. Réfléchissez à ce que fait l'UNESCO sur le sujet, de manière à faire en sorte qu'Internet soit effectivement un espace multilingue. Pour ce qui est... Si on ne promeut pas Internet comme espace multilingue, nombreux seront ceux, hélas, qui resteront un peu de côté. Et c'est bien l'inverse de ce que nous voulons. Dorine a déjà parlé du sommet mondial de la société de l'information. Je m'en souviens, j'étais alors un des intervenants. Je n'étais pas encore à l'époque, je ne faisais pas encore partie, je ne travaillais pas pour la structure, pour les structures de l'Organisation des Nations Unies. Et pour moi, ça aura été un sommet particulièrement important lors duquel nous avons parlé de sécurité dans le cyberespace. Parlons maintenant un peu de ce que fait l'UNESCO, peut-être. L'UNESCO émet des recommandations concernant la promotion du multilinguisme et d'un accès universel à l'espace numérique, au cyberespace. Une de nos recommandations concerne les aspects éthiques liés à l'application des mécanismes d'intelligence artificielle. Je voudrais souligner que l'UNESCO met en avant la sécurité dans le cyberespace tout en faisant référence à l'intelligence artificielle. Nos autres activités comprennent et ont compris l'organisation ou la création
d'un bureau international aux langues indigènes, c'était en 2019. Et vous savez, pour nous, c'est tout simplement essentiel de faire de la sensibilisation sur ces langues. Nous savons que, de par le monde, les gens utilisent 7000 langues, me semble. Hein, mais combien d'entre eux sont véritablement représentés dans le cyberespace? Eh bien, les dernières statistiques montrent qu'on en a peut-être 130. 130 sur 7000. Ce qui signifie... Je ne suis pas que chacun d'entre nous possède une tablette ou un ordinateur ou un smartphone, parce que si nous ne sommes pas en état, en mesure de comprendre le contenu présent en ligne, car il n'y en a pas dans notre langue maternelle, l'accès à Internet est très fortement limité. Et c'est pour cela que si nous voulons lutter contre l'exclusion numérique, nous devrons nous lutter pour une meilleure présence de toutes les langues dans le réseau. D'où la plus le multilinguisme, nous y tenons beaucoup. Encore une initiative, Atlas mondial des langues. C'est une initiative que nous avons démarrée le mois passé. C'est une plateforme numérique qui est une ressource énorme pour la richesse linguistique du monde. Regardez, sur cette plateforme, vous pourrez voir que dans le monde entier, les gens parlent de 8300 langues différentes. Nous croyons que qu'il est important de protéger ces langues, celles qui sont en danger dans des contrées différentes. L'UNESCO soutient le programme linguistique africain. C'est un programme, en fait, qui a pour objectif de développer une base de données au sujet des langues africaines. Dorine a déjà parlé du fait que nous avons à notre disposition des technologies très différenciées, des technologies de reconnaissance de voix ou de transformation de la voix en texte, etc. Nous voudrons aussi disséminer ce type de technologie. Mais nous devons ici serrer les coudes et voir les choses de manière holistique et inviter à cette coopération aussi des partenaires externes, parce que la question de multilingualité est aussi traitée par d'autres organisations. Nous, évidemment, nous promouvons cette approche multilatérale, mais nous voulons que l'approche devienne holistique pour que les partenaires se complètent de manière complémentaire. Et nous devons, dans ce contexte, soutenir les communautés locales pour qu'il y ait de l'utilisation des ressources Internet dans les langues qui sont compréhensibles pour ces gens, pour que l'accès au contenu soit réel et d'importance. Que nous puissions, sur la base de l'accès aux ressources, dans des langues compréhensibles, améliorer la... l'accessibilité. L'UNESCO s'engage pleinement à la coopération pour améliorer la plurilingualité dans l'espace numérique. Mais je répète encore une fois, l'approche doit être holistique pour ne laisser personne derrière ou de côté pour qu'il soit avec nous. Merci, merci beaucoup. Je pense que nos intervenants ont mérité des applaudissements. C'était des remarques très, très intéressantes et très pertinentes que nous venons d'entendre. Cette idée de la décennie des langues de souche est quelque chose de très intéressant. Car en vérité, ça nous montre qu'il y a des langues qu'il faut protéger. Car si nous voulons rêver une société vraiment inclusive, nous devons donner à tous le droit et la possibilité d'utiliser leur propre langue maternelle. Le plurilinguisme est absolument indispensable dans ce contexte. Merci pour ces remarques. Je sais que Tofik a peu de temps parce qu'il est pressé et il a un avion à prendre. Donc, encore une fois, grand merci. Nous allons continuer nos discussions. Et maintenant, après l'énoncé de Tofik, l'intervention de Tofik et Dorine, le temps est venu pour
que nous entendions les expériences de deux spécialistes qui s'occupent de ces questions dans leur communauté locale. Nous entendrons maintenant quelques mots de Alana Marcinelli du Brésil et de Sharad Armes qui sont d'Inde. Ce sont deux actrices qui utilisent leur langue maternelle de manière très créative pour mobiliser les communautés locales, pour créer des liens entre les gens, pour utiliser les technologies numériques pour améliorer les possibilités de communication dans les communautés dans lesquelles elles fonctionnent. Donc bonjour à Alana, bonjour Sharad aussi. Nous sommes heureux de vous voir avec nous. On va entendre du portugais ou de l'espagnol. Si vous avez besoin de traduction, je vous en prie, veuillez prendre vos casques. Éventuellement, appuyez le bouton traduction sur Zoom. S'il y a un tel besoin, nous présenterons ensuite un résumé de cette traduction. Madame Alana, vous êtes active depuis longues années au Brésil. Vous êtes biologiste. Vous travaillez à l'Université fédérale au Brésil et vous êtes impliqué dans les actions menées ensemble avec les jeunes femmes des communautés locales. Comment utilisez-vous ces langues locales, les langues de souche, pour coopérer avec les membres des communautés locales? C'est un grand honneur de pouvoir entendre votre voix. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Alana Mancinieri. J'habite à Manaus, c'est une ville, c'est au centre de l'Amazonie. Et c'est ici que se trouve la plus grande communauté de gens de souche brésilienne. On parle de l'Amazonie. Moi aussi, je suis membre d'un groupe indigène. Mon grand-père était l'un des leaders qui a trouvé l'organisation dans laquelle je travaille maintenant. Notre organisation travaille à lutter et à protéger les droits des populations indigènes. Et tout ceci se passe dans un monde numérisé. Notre organisation soutient les femmes indigènes et locales, et en fait soutient toutes les populations indigènes qui habitent l'Amazonie. Nous savons que souvent les fake news influent de manière négative la situation des gens, en particulier justement pour ça concerne en particulier justement les populations indigènes. Nous travaillons donc dans 9 États différents qui se trouvent dans la forêt d'Amazonie, Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Guarani, Tocantins. Nous avons plus de 160 langues indigènes ici. Maintenant, notre défi est de survivre à la pandémie et protéger les peuples indigènes contre l'activité d'extraction dans leur territoire. Et bien sûr, nous battons contre l'inégalité d'accès aux services publics, mais aussi l'Internet. Nous essayons de soutenir les jeunes gens avant tout. Souvenons-nous qu'il y a 180 peuples différents, peuples indigènes. Je parle de l'Amazonie toute seule. Dans le cadre de notre organisation, il y a aussi un réseau de communicateurs jeunes bénévoles. C'est une organisation qui organise énormément d'événements. Par exemple, au mois d'août cette année, les femmes ou les filles qui font partie du réseau ont organisé des manifestations au Brésil contre ces inégalités dont je viens de parler.
de nos jours, nous ne pouvons pas permettre que des décisions quelconques qui nous concernent soient prises sans nous. Temps fort pour un film. Merci beaucoup. Merci Alana pour cette intervention instructive et pour ce film aussi qui nous montre excellemment ce dont s'occupe votre organisation, votre association et toute l'activité avec les communautés locales. Nous aurons quelques questions à vous poser dans quelques instants, mais je voudrais d'abord donner la parole à l'intervenante suivante. Il s'agit de Sharad Sharma, qui représente le réseau mondial de la bande dessinée. Vous êtes fondatrice de cette organisation et vous soulignez à chaque instant l'importance des langues locales. C'est avec hâte que nous attendons votre intervention. Merci de nous parler de vos expériences. Comment engagez-vous les communautés locales dans l'espace numérique en utilisant les langues locales? L'intervenante est un intervenant. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'entendre les voix de représentants de divers continents. Je suis dessinateur. J'ai commencé au début de ma carrière par de la satire. Je faisais de la satire politique, je faisais des dessins humoristiques, satiriques, politiques. J'ai d'abord travaillé pour la presse écrite. J'ai ensuite présenté mes travaux à la télévision. Et je considérais que c'était une activité qui porteuse de valeur, une activité importante. Je voudrais souligner, j'essaie de souligner l'importance des droits des minorités. Et c'est avec ces minorités que je suis parti. Et j'ai commencé à parler de plus en plus, à évoquer de plus en plus les minorités, ces groupes qui parfois ne sont pas suffisamment représentés parmi le monde des politiques. Je voulais que les politiques, justement les politiciens, entendent les voix des minorités. Alors voilà, maintenant, ce que j'ai pu faire en tant que dessinateur, j'ai commencé à travailler, à réfléchir à la manière dont je pourrais présenter la réalité qui nous entoure. Vous savez, dans mon pays, la diversité est grande, la diversité sociale, culturelle. Chaque communauté parle une langue différente dans mon pays. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui ne parlent pas les langues de la majorité n'ont qu'un accès modeste, voire limité, à certaines ressources, ne pouvant
parfois avoir recours, bénéficier du soutien auquel normalement ces gens auraient droit. Donc moi, mon idée, c'était de leur donner de la visibilité dans la presse écrite au départ et ensuite sur d'autres médias. Les gens, vous savez, sont consommateurs d'informations, mais ne créent pas les contenus d'eux-mêmes. Dans la majeure partie des cas, c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que le dialogue principal, notamment dans l'espace numérique, il est dominé par la majorité. Et les minorités sont sous-représentées. C'est pourquoi il faut travailler à plus de multilinguisme dans le cyberespace. Il ne s'agit pas ici de traduire un site de l'anglais vers une langue locale. Il s'agit de donner la parole aux minorités pour leur permettre de faire entendre leur voix dans le sens de ce qu'ils ont à dire. Et comme je le disais, permettez-moi de le souligner, il ne s'agit pas que de traduire des contenus. Il s'agit de faire en sorte que les minorités linguistiques puissent s'exprimer dans leur langue. C'est ça qui est important, dans leur langue maternelle. Pour ce qui est de la création de mon travail, vous me dites, bon, j'avais beaucoup de choses à dire, et ce que je voulais, c'était raconter l'histoire d'individus avec mon crayon. La question que je me posais, c'était quelle forme, quel format, quelle forme donner à ce que j'allais exprimer. J'ai rencontré des gens et j'ai commencé à noter un peu leurs histoires. Et vous savez, ce pays où je vis est un pays très morcelé, linguistiquement, je l'ai déjà dit, mais vous savez, vous faites 40-50 km et ça y est, les gens ne parlent pas la même langue. C'est particulièrement sensible. Et donc, dans mon travail, j'ai dû me concentrer sur une chose, c'est que je devais faire en sorte que le contexte local soit prégnant dans toutes les histoires que je racontais. Je devais rendre le contexte par mes dessins et puis transmettre mes messages dans une dimension locale aussi. Je voulais que mes dessins soient vus, lus et compris des communautés locales. C'est pourquoi je voulais utiliser les médias locaux. Grâce à Internet, les choses sont devenues plus faciles en la matière. En effet, nous souvenons-nous qu'en Inde, 80% des habitants ont recours à Internet, entre autres via appareils mobiles. C'est même le cas de la majorité, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont donc pas de large bande passante, mais Internet via appareil mobile. Le problème aussi, c'est les problèmes de panne d'électricité. C'est un obstacle de taille à la connectivité quand vous avez une panne de courant. Donc on jouit d'une connectivité, mais pas d'une grande stabilité. Donc on a effectivement des contenus qu'on peut télécharger, qu'on peut trouver, qu'on peut publier sur Internet. Mais ce que je pense, c'est qu'assurer un accès stable à Internet, c'est effectivement un droit de l'homme qui malheureusement n'est pas toujours... dont tous les habitants ne jouissent pas. Malheureusement, on s'est rendu compte pendant la pandémie de coronavirus à quel point c'était important. Il y avait des gens qui avaient accès à la bande passante, à une large bande passante, qui avaient le haut débit. Et les gens qui avaient le haut débit, ils étaient au courant de tout ce qu'il fallait, ils ont pu se faire vacciner, etc. etc. Ceux qui n'étaient pas connectés, ils ont même pas pu prendre rendez-vous pour être vaccinés. Donc vous voyez, ça change, c'est vraiment des conséquences concrètes. Donc il ne s'agit pas ici uniquement de faire en sorte que des contenus soient traduits, je me répète, hein, mais il s'agit de faire en sorte de vraiment créer des contenus qui seront pleinement, qui soient complètement localisés et répondent aux besoins des communautés locales. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention, une intervention très, très intéressante.
Je ne sais pas si je me souviens bien, mais vous n'aviez pas préparé de diapositive. Hein. D'accord. Très bien. Non, je voulais juste être sûr de n'avoir rien raté. Bon, bien, très bien. Merci à vous, merci à Elana, merci. Je vérifie si vous êtes encore avec nous, mais on dirait que oui. Quelques questions, n'est-ce pas, à poser aux intervenants. J'espère que nous serons en mesure de poser la question ou les questions posées sur la messagerie instantanée de Zoom. Il a été question d'histoire, de narration. Dans le contexte du multilinguisme, justement, c'est ça. Le multilinguisme, ça permet de raconter des histoires différentes et de les façonner de diverses manières. Et c'est ça qui permet, justement, d'atteindre, de se faire entendre des communautés locales. Pourriez-vous nous dire, Alana, quelles sont les stratégies dont se servent les femmes et les jeunes au sein de vos communautés locales pour utiliser les techniques numériques pour partager des connaissances, pour s'entraider. Ce qui m'intéresse notamment, c'est une chose que vous avez déjà évoquée une fois, mais j'aimerais que vous le disiez maintenant ici en public, parce qu'il ne s'agit pas que de la langue écrite, il s'agit de la langue parlée, n'est-ce pas, de raconter des histoires de vive voix. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ? Oui, avec plaisir. Merci. Merci pour cette question. En quoi elle consiste, notre stratégie ? Bien, je vais vous le dire en deux mots. Au sein de notre association, ce que l'on essaie de faire, c'est de mettre au point, de créer des documents, des ressources, mais on n'utilise pas effectivement que la langue écrite. Nous utilisons également la langue parlée. Vous savez, dans l'Amazonie au Brésil, la diversité est très importante. Comme je l'ai dit auparavant, on a environ 180 peuples autochtones dans notre région. Ce sont des peuples indigènes, autochtones, dont les cultures sont basées sur le parler et pas sur l'écrit. C'est pourquoi un des aspects de notre stratégie est d'apporter tout notre soutien, de nous baser sur la langue parlée, sur le parler, sur le verbe. Et c'est pourquoi nous essayons de mettre en avant la communication parlée avec les communautés locales, parce que c'est vraiment leur monde, leur culture est basée sur la voix. Et puis la deuxième partie de la stratégie, consiste à faire communiquer ces populations autochtones avec le reste du monde. Et puis nous menons des activités politiques, parce que je dois dire que pour nous, la communication est un outil qui nous permet d'agir politiquement. Il ne s'agit pas que de parler pour parler, de communiquer au sens le plus général du terme. Quand on parle communication, c'est faire passer des idées. Donc c'est politique. Et ce processus de communication est censé permettre à ces populations autochtones, indigènes, d'agir politiquement et de prendre part au débat public. Et ça concerne des peuples qui vivent dans les coins les plus reculés de la forêt vierge amazonienne. Et ça concerne aussi les femmes et les jeunes. Au Brésil, on ne parle pas espagnol, hein, je me permets de vous le rappeler. On ne parle pas anglais non plus. Au Brésil, la langue officielle, c'est le portugais. C'est pourquoi nous introduisons des solutions des matériaux éducatifs pour ceux qui voudraient parler les langues officielles des Nations Unies. Dans ma région, il y a 31 langues indigènes. C'est un degré de diversité assez important. Si on compare par exemple le français au portugais, on va voir que les différences sont assez importantes. Si on compare
nos 30 et quelques langues indigènes, vous allez voir aussi énormément de différences, parce que les gens s'imaginent peut-être souvent que les langues de l'Amazonie sont similaires. Tel n'est pas le cas, croyez-moi. Et tel est notre... Tel est le point de vue, telle est la perspective que je voulais partager avec vous. Et nous essayons, oui, aussi d'engager de plus en plus les jeunes, les adolescents dans nos activités. Merci beaucoup. Très instructif. Effectivement, un système complexe. Il faut s'efforcer de faire en sorte que la communication se fasse avec fluidité. Et puis nous, il faut qu'on s'en occupe online et offline aussi, sur réseau et hors réseau. Les communautés locales s'expriment toujours, se battent toujours, relèvent toujours des défis assez lourds, notamment dans les régions que vous représentez. Mais je vois que vous êtes très actifs, que vous faites beaucoup pour améliorer la communication et faciliter la vie des gens en leur permettant de s'exprimer dans leur langue pour communiquer avec les autres. Merci beaucoup pour cet apport, pour le travail que vous réalisez. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté les commentaires. Sharad, vous aussi avez, votre association a eu recours à des outils. Vous racontez, vous, c'est pas la langue parlée, c'est pas la vive voix, c'est pas l'écrit non plus, c'est le dessin. Vous êtes dessinateur. Comment faites-vous pour faire passer de nouveaux contenus? Avant de donner la parole à la salle, je voulais vous poser la question à vous. Je voulais que vous nous répondiez à cette question. Est-ce que vous considérez que les possibilités de création de nouveaux contenus ont augmenté l'intérêt des membres des communautés locales? À partir du moment où les gens voient que d'autres membres des communautés locales sont en mesure de mieux communiquer sur leurs expériences, est-ce qu'ils le font eux aussi plus activement? C'est une campagne que nous avons commencé il y a un certain temps déjà. Nous voulons inclure toute la population, en particulier les personnes qui ont été annoncées comme celles qui peuvent avoir accès à Internet uniquement par des technologies mobiles. Et pendant, c'était très important, pour, en particulier pendant le lockdown. Très souvent, le problème consistait en le fait que le contenu était accessible exclusivement en anglais. Donc la possibilité d'utiliser Internet était très limitée. Par exemple, les enfants à l'école avaient souvent des problèmes d'accès à aux informations dont ils ont besoin. Donc ils ne pouvaient pas bénéficier de cette ressource qu'Internet. Si les gens ont encore de telles barrières, ils perdent confiance en Internet. S'ils ne peuvent pas en bénéficier à cause de certaines limitations concernant leurs compétences, mais aussi les dispositifs qu'ils possèdent. Il faut donner la possibilité de présenter les expériences aussi au sujet de la connectivité mobile. Beaucoup de gens n'ont pas de possibilité de bénéficier de l'éducation via Internet. Il faut en parler. Dans notre pays, nous avons une dissonance entre les différentes régions en cette matière. Je vais me référer ici à l'histoire d'une fille jeune qui a créé des contenus concernant ses propres expériences. Elle a parlé de ses expériences à l'école. Elle a aussi parlé de son activité de bénévole. Comment elle a aidé sa communauté locale. Pour moi, c'est très intéressant. Même les personnes qui ont un accès limité à Internet essayent d'utiliser cet Internet pour agir pour le bien de leur communauté locale.
C'est une dimension très positive de notre campagne. Des gens qui, entre autres, pour aider les groupes en situation particulièrement difficile aux réfugiés irakiens, comptent leurs histoires dans les langues locales de manière à ce que ces histoires soient entendues dans l'espace numérique pour donner la voix à ces communautés qui peut-être ne sont pas en état d'utiliser le potentiel des outils numériques. Et je pense que c'est important. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ce qui me rappelle que la technologie est vivante lorsqu'elle est au service de l'homme. C'est ça que nous voulons dire, je pense, lorsque nous parlons d'un accès réel et de grande valeur. Ça doit être un accès qui améliore nos conditions de vie. Alors, je m'excuse parce que j'ai l'impression que vous avez encore préparé des diapos. J'ai peur que maintenant nous ne puissions pas les afficher. C'était juste pour vous dire que nous en sommes conscients, mais nous devons encore faire travailler notre équipe technique pour pouvoir montrer ces diapositives. Donc nous ne vous avons pas oublié. J'espère que nous réussirons à vous montrer ces photos plus tard. Merci beaucoup, merci Alana, merci Sharad. Alors je vais passer la voix à ma coordinatrice Sylvia Cadena. APNIC, elle représente la fondation qui s'appelle APNIC. Ensemble avec l'équipe des collègues, nous coopérons avec Sylvia dans le cadre du réseau pour la politique d'accès réel à Internet. Merci beaucoup. On dirait que tu m'as promu au poste de directrice. Je t'en remercie d'autant plus. Chez nous, il est très tard, il est une heure du matin. Donc, si vous entendez ma voix bizarre, ne vous étonnez pas. J'aurai le plaisir de modérer la partie suivante de notre discussion. Il sera question de l'acceptation universelle comme la base d'Internet de langues multiples. Et là, nous avons d'excellents intervenants qui vont nous faire part de leur perspective au sujet de la plurilinguisme. Je voulais remercier Sharad et Alana de nous avoir fait part de leur expérience au sujet de ce que l'on peut faire pour que Internet soit plus multilingue, pour que plus de communautés puissent être représentées dans ce médium numérique. Donc l'acceptation universelle nous semble l'un des défis les plus grands. Donc là, on va parler justement de cette acceptation universelle. Et je vais passer la voix à Ramon Mohan, qui est directeur pour les questions opérationnelles de l'organisation Afilias, qui est une internationale qui donne des noms de domaine Internet, le deuxième ou le plus grand du monde. C'est une personne avec 20% d'expérience en matière de nouvelles technologies, de leadership et d'esprit de l'entreprise. Il est aussi un expert de la cybersécurité. Il est co-créateur de la commission de conseil pour l'Internet, pour la toile. Mais avant tout, c'est un homme charmant. Je t'invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Sylvia. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. C'est pour moi vraiment un grand plaisir et un grand honneur aussi de pouvoir vous rencontrer dans le cadre de cette session. Lorsque nous parlons de la planète unifiée et d'accès réel à Internet, nous pensons à nous qui sont déjà connectés à Internet, mais aussi à ceux qui sont toujours dans le monde offline. De nombreuses
communautés dans le monde communiquent dans leur langue propre. Et je me demande pourquoi nous devons continuer à utiliser les mêmes schémas pour pouvoir utiliser Internet, pour pouvoir approfondir les ressources sur Internet. Ce n'est pas pour cause de manque de technologie ou de volonté, ni par manque d'effort. Je pense que le monde a cette capacité de donner accès aux ressources Internet dans les langues locales. Nous avons les outils technologiques. Nous communiquons tous en nos langues maternelles. Évidemment, il y a aussi des langues comme l'anglais. Donc la lingua franca contemporaine qui nous permet de communiquer dans la communauté internationale. Mais notre rêve reste de pouvoir communiquer sur Internet en notre langue maternelle. Si nous sommes donc d'accord tous sur ce que je viens de dire, ce concept d'acceptation universelle, un concept que j'ai créé en 2001, est toujours très important. En 2001, à l'époque, je me suis rendu compte que mon adresse mail, qui se termine par .info, c'est très certainement une adresse qui contient cet élément info, qui veut dire information, en 37 langues différentes du monde, et pas sur Internet. Info sur Internet veut dire que l'on ne peut pas enregistrer mon adresse. Sur beaucoup de sites Internet, parce que le nom du domaine n'était pas reconnu. Après, quelques années plus tard, nous avons commencé à identifier d'autres problèmes concernant les langues locales et le manque d'accessibilité. Alors, par exemple, tout est écrit de la gauche vers la droite. Pourtant, nous savons que tous les gens ne font pas comme ça. Et nous avons une multitude de programmes, de systèmes et d'applications sur Internet qu'il m'était difficile de comprendre pourquoi nous ne pouvons pas effectuer un changement simpliste, car les langues du monde sont différentes, les gens du monde utilisent des langues différentes, et l'espace Internet doit s'adapter à ses besoins pour s'assurer que tous les gens peuvent être représentés sur Internet. Et pour moi, c'est de l'acceptation universelle, c'est ça. Ça veut dire que nous acceptons toutes les langues, des scripts différents dans le système d'émission, de création de noms de domaines, de manière à ce que la nouvelle technologie ne nous dérange pas dans la communication avec les autres, pour que ce que nous appelons Internet ne soit pas un obstacle sur la route vers la connectivité mondiale. C'est pour cela que j'ai créé un groupe mondial sans but lucratif qui s'appelle Universal Acceptance, donc l'acceptation universelle. J'avais l'ambition de voir à la même table les représentants du secteur, de la science, de la société civile et des organes de réglementation. C'est pas un problème à caractère technologique. Ça découle pas du manque d'intérêt, de manque d'efforts mis en œuvre. En fait, c'est un problème qui concerne le fait que nous devons adapter le monde numérique, le monde des applications, à une situation différenciée dans le monde. Donc les gens du monde entier ont le droit d'avoir, ont le droit à accéder les
des contenus numériques en leur propre langue. Internet est une ressource mondiale sur laquelle nous reposons dans notre travail quotidien. C'est ça, c'est tout ce que je voulais dire au sujet de ce concept d'acceptation universelle. On commence à manquer de temps là, donc je me suis permis de t'interrompre. J'ai quelques questions, mais avant, je crois que je vais transmettre la voix à Daniel et Maria, et à la fin, on va voir si on en aura du temps pour les questions que poseront nos auditeurs. Daniel Fink est le représentant d'une internationale ICANN en fait. Bonjour. Dans le cadre de ICANN, il travaille depuis 2014, maintenant il s'appelle à Sao Paulo, au Brésil. Et il est chef du département des sciences et des technologies. Et en même temps, il est docteur sciences. Exact. Je vous en prie, bonjour. Bonjour, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer ici avec Maria Hiram et de pouvoir prendre la parole lors de cette partie de notre discussion sur l'acceptation, le multilinguisme sur Internet comme base pour une véritable inclusivité. Je voudrais remercier Roberto Zambrana. En effet, c'est lui qui m'a incité à prendre part à ce sommet et je ne le regrette pas, je lui en suis reconnaissant. Sorry, Daniel, have you finished? Vous avez fini? Daniel, c'est tout? On n'entendait plus rien, c'est parce que vous avez arrêté de parler? Oui, en fait, j'attends la question. Ah, d'accord. Non, je pensais que vous commenceriez par faire votre intervention en elle-même, mais après, si vous préférez qu'on passe directement à quelque chose de plus interactif, on peut faire ça aussi. Oui, non, moi, j'étais plutôt parti sur quelque chose d'interactif, c'est-à-dire que je suis prêt à répondre à vos questions, en fait. D'accord. Dans ce cas, ma demande serait la suivante. Pourriez-vous nous parler des initiatives de l'ICANN en matière de soutien au multilinguisme sur Internet et quelles sont les possibilités de coopération avec ICANN de ce point de vue? Écoutez, depuis 2015, grâce à RAM et à d'autres parties prenantes de l'ICANN ou de l'ICANN, de l'ICANN, nous avons pu créer un groupe de travail dont le but est de promouvoir un accès universel à la toile. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant cette idée d'une acceptation, d'une hospitalité pour tous. C'est ça l'idée qui nous guide. Et c'est vraiment à la base de la coopération. Ce que nous voulons absolument, c'est introduire de nouveaux noms, de domaines, de développer de nouveaux scripts sur Internet, de manière à ce que les choses soient disponibles en chinois, en coréen, en japonais. C'est un véritable défi. Mais l'ICANN a d'ores et déjà mis en application un plan stratégique de développement. Un plan de développement stratégique pour 2021-2025, c'est pour nous une des priorités et nous coopérons avec la communauté technique, avec des experts, de manière à préparer un nouveau système qui est adapté aux besoins d'un Internet multilingue. Je voudrais dire ici, puisque l'occasion en est faite, que nous devrions, ce qu'on devrait faire en fait, c'est essayer de nous imaginer le monde tel qu'il serait si la toile avait vu le jour en Inde, si tous les moteurs de recherche étaient disponibles, non pas en anglais, mais dans une autre langue. Imaginez. Bien, si c'est plus parlant pour vous, si les noms des domaines n'étaient disponibles qu'en chinois. Je pense que ce serait assez handicapant.
pour les anglophones. Donc, il est bien, des fois, d'imaginer de prendre le bâton par l'autre bout, d'imaginer le monde, de se mettre dans la situation des autres, en fait. D'accord, mais quel est le plus important des défis, le plus important des obstacles sur le chemin qui est le vôtre, puisque vous, ce que vous essayez de faire, c'est de créer une toile véritablement multilingue. Bah, l'ICANN, je pense que nous, on est des informaticiens, nous, on est des passionnés, on aime ça, on aime s'amuser avec les adresses IP, nous sommes des DNS, des techniciens, ça, c'est notre monde. Mais je pense que le moment est venu maintenant de nous engager plus largement dans une coopération avec des développeurs Java, avec des développeurs d'autres systèmes, de manière à pouvoir effectivement adapter à l'Internet à toutes ces langues. Ça demande des formations, ça demande un travail au jour le jour avec le comité de pilotage. Et je pense que le défi, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment discuter de manière multilatérale avec diverses entreprises du monde entier. Nous coopérons aussi avec des experts polonais, brésiliens. Je fais un signe à mes copains, à mes copains experts avec lesquels je travaille depuis 2017. Xavio, par exemple, est engagé. Il travaille avec nous sur les recherches au Brésil. Et la bonne nouvelle, c'est que on a toute une communauté d'experts techniques qui sont compétents, qui ont les compétences nécessaires. Et je pense qu'on va être en mesure assez rapidement de préparer les changements. De nous préparer au changement, je vous invite à participer aux sessions que nous organisons. Je rappellerai ici encore quelques noms de collègues. J'allais le faire en tout cas. Ou alors non, je vais vous mettre un lien dans le chat, dans la messagerie instantanée, comme ça vous verrez un peu quelle est l'équipe. Et je vous mettrai quelques infos sur nos initiatives. D'accord. Passons donc à au dernier intervenant de cette partie, à savoir Madame Maria Kolesnikova, analyste en chef du Centre de coordination pour le TLD. Elle s'occupe des domaines .ru. Ce sont les domaines du plus haut niveau. Hein. C'est un domaine de haute volée, le .ru. C'est la crème. Maria, vous avez été chef du département de marketing auparavant et vous êtes arrivé dans la société en 2007. Vous êtes donc très expérimenté pour ce qui est de télécommunications. Maria, je suis très heureuse que vous soyez avec nous. J'aurai quelques questions à vous poser. Je vous demanderai de commencer par quelques commentaires en introduction. Nous reviendrons en plus au RAM et nous pourrons terminer par une session de questions-réponses peut-être. Merci beaucoup. Je m'appelle Maria Kolesnikova et je suis représentante du centre qui coordonne les données de haut niveau que sont les domaines .ru. Nous travaillons depuis un certain temps sur ces domaines Internet et à l'évaluation de nouveaux domaines en la matière. Ce serait tout pour mon introduction. Après, je préférerais répondre à des questions, en fait. D'accord. Alors, parlez-nous un peu plus avant de ce que fait le gouvernement russe pour promouvoir la langue russe dans le cyberespace sur Internet. Oui, bon, vous savez, ce que je commencerai par dire, c'est qu'il y a une dizaine d'années, nous avons reçu effectivement un soutien très important de la part du gouvernement de la Fédération de Russie, de la part de Dmitri Medvedev, précisément,
Une rencontre de haut niveau avait été organisée avec la participation de l'ICANN. Et effectivement, nous avions pu jouir d'un véritable soutien de la part du gouvernement lors de la pandémie, de même cette pandémie de Covid-19. Les informations les plus importantes concernant la dissémination du coronavirus ont été disponibles en russe. Chose importante. Et puis, on essaie d'informer les gens. Le russe est la langue officielle de la Fédération de Russie, donc c'est quand même normal. Et puis le plus souvent, le nom, le domaine de haut niveau est effectivement le .ru. Mais il y a aussi la question de l'accès à Internet. Moi, je dirais que cet accès, il est tout de même satisfaisant en Russie, parce que c'est quand même 75% des habitants. Donc ça veut dire qu'on a 124 millions de citoyens russes qui ont accès à Internet. En moyenne, l'usager russe passe 7 heures par jour sur Internet. Ça concerne les enfants. Enfin, la moyenne n'est pas forcément la même pour les enfants, mais les enfants, ils commencent Internet très tôt. Ils commencent Internet, ils ont 2 ans. La base de données est quand même intéressante. On a des programmes nationaux qui vont améliorer l'accès à Internet, et puis des agences gouvernementales qui coopèrent avec des institutions sociales, avec des associations, avec des écoles, avec des centres médicaux, de manière à pour faire en sorte de fournir Internet à ceux qui ne jouissent pas encore d'Internet. Dans certains cas, on a carrément un accès à Internet qui est gratuit, ce qui signifie que pour avoir accès à des contenus sur Internet, on n'a pas à payer. C'est le principe de la gratuité. Ce sont des actions gouvernementales. Il y a des plateformes en ligne qui sont très populaires et qui sont parfois mises à disposition à titre gracieux également. Merci beaucoup, Maria. Et voilà ce qui m'amène à la question que je voulais poser avant. Je voulais la poser à Ram aussi. La question est la suivante. Que peut faire le législateur et que peuvent faire les organismes qui accordent des noms de domaine pour œuvrer à plus d'accessibilité multilingue? Quel type de partenaire? Quel type de coopération? Qui pourrait-on mobiliser ici? Je vais peut-être commencer par demander à Ram de réagir. Merci beaucoup. Oh, les organes législateurs ont un rôle important à jouer, ils peuvent faire beaucoup, à n'en pas douter. Je suis content que les législateurs participent à nos débats, qu'ils soient impliqués dans les discussions que nous menons. Si dans les contrats concernant la mise à disposition de services, on avait des clauses concernant certaines formes de favoritisme en cas d'utilisation, en cas d'incitation à une participation à Internet dans le cas du multilinguisme. Je pense que si on avait ce type de clause dans les contrats, ça pourrait augmenter l'acceptation, l'hospitalité et l'accès à des contenus multilingues sur Internet. Oui. Je me demandais si Daniel ou Maria voudraient peut-être commenter ce que vous venez de dire. Oui. Je vais commencer, Maria, ici. Je pense qu'il serait bon de suggérer peut-être au gouvernement, mais pas seulement au gouvernement, aussi à d'autres partenaires, d'utiliser en fait
les noms de domaines de haut niveau et puis des adresses e-mail un peu plus internationales, un peu plus accessibles, de manière multilingue. Oui, non, mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Daniel, qu'en pensez-vous? Oui, nous aussi, dans notre comité, on a un groupe spécial, un groupe de travail spécial qui s'occupe justement de ce type de questions, de ce type d'aspect. Et il ne fait aucun doute que sur cette acceptation universelle, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut essayer d'agir conformément aux consignes. J'ai participé aux travaux d'un des comités sur l'IDN. J'étais alors enceinte et j'essayais de souligner et d'utiliser dans mon travail l'espagnol, mais c'était il y a 18 ans. Et mon fils ne va plus à l'école maintenant. Il a passé son bac. On n'en parle plus maintenant, mais c'est vrai que peu de choses ont changé finalement. Et c'est vrai qu'il faut souligner ces aspects-là, parce que peut-être y a-t-il un manque, des lacunes en matière d'intérêt, tout simplement. L'intérêt porté à ces sujets est peut-être trop faible. Il serait bon de prendre à bras-le-corps tous les défis en fait, qui se posent et faire en sorte de faire évoluer la situation. C'est aussi lié à des commentaires qui ont été entendus lors de la session précédente. Peut-être que tout le monde n'était pas encore avec eux quand on a parlé de cette politique d'accès véritable. On a parlé de l'importance d'un véritable accès à des contenus précieux, des contenus essentiels. La langue, c'est ce qui donne son sens au contenu auquel nous sommes exposés. C'est la langue qui va faire l'intérêt. Merci d'avoir décrit vos expériences. Alana nous en a parlé. On a eu des exemples d'Inde. Il y a aussi des gens qui ne savent pas lire et qui peuvent s'exprimer, qui peuvent exprimer leurs craintes grâce au dessin. Moi, quand j'ai commencé à m'occuper des questions de développement d'Internet, Internet, c'était que des textes, hein, c'était 100% texte. Les choses ont changé maintenant. Il n'y avait pas de photos, c'était comme ça, c'était très austère au début Internet. Il n'y avait pas de films, pas de photos, il n'y avait que du texte. Donc ça voulait dire qu'à disposition, nous n'avions que des caractères, des lettres et des chiffres. Pour ce qui était de transmettre des informations, en plus c'était payant, ça coûtait cher de se connecter. Le temps était compté, on se connectait et puis très vite on écrivait ce qu'on avait à écrire, on lisait ce qu'on avait à lire et puis c'était fait. Donc l'Inde, la Colombie, oui, on essayait de souligner ces aspects-là. Mais je voudrais ici souligner autre chose, c'est que les possibilités que nous avons maintenant, ces possibilités d'exprimer nos pensées grâce à l'image, c'est quelque chose d'absolument crucial, plus que nous ne le pensons souvent. Il est 2h du matin, vous savez, chez moi, donc je commence à être fatigué aussi. Et puis, je vais peut-être même pas... Je commence à penser en espagnol d'ailleurs, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je tombe de sommeil en réalité. Je suis très heureuse en tout cas qu'on ait la possibilité de parler avec tous les participants de cette discussion. Merci à tous les intervenants. Merci Rim, merci Maria, Daniel, Ram, Dorine. Y a-t-il des questions dans la messagerie? Sinon, je m'adresserai à Raquel. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, sur la messagerie. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez lever la main, nous pourrons vous donner la parole, nous pouvons utiliser la messagerie, comme je le disais, nous avons diverses possibilités. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a permis de me reposer. Nous allons vous permettre de vous reposer. Je sais qu'il est 2h du matin chez vous. Effectivement, je vais me présenter. Je m'appelle... Je suis présidente d'une organisation qui s'occupe, entre autres, de questions liées à un accès universel à Internet. Et je voulais maintenant donner la parole aux participants, mais aussi aux auditeurs. On a dans la salle des gens qui voudraient poser des questions. Je vous en prie.
Je voudrais savoir, demander comment nous pouvons utiliser Internet pour promouvoir la paix dans le monde entier, donc ce que nous désirons tous et dont nous rêvons tous. Merci beaucoup pour cette question. Encore une personne qui est derrière et qui voudrait prendre la parole. Et nous avons une question de la part de Giacomo qui est avec moi sur scène. Veuillez vous présenter brièvement. Oui, bonjour. Je m'appelle Mary Uduma. Ok, c'est bon. Ma question est comment nous implémentons le linguisme en IGF? Ma question concerne. Meetings. Je voudrais savoir comment faire pour que les rencontres IGF soient multilingues. J'ai participé à une session où quelqu'un voulait s'exprimer en français. Il a commencé à parler en français et nous n'avons rien compris. Après, il y avait quelqu'un qui parlait en anglais et les francophones ne pouvaient pas participer à la discussion parce qu'ils ne comprenaient pas l'énoncé. C'est ça ma question. Donc, comment faire pour que les sommets IGF soient pleinement multilinguaux? Comment assurer la traduction de tous les contenus auxquels nous avons affaire ici? De toute manière, est-ce que tout le monde qui veut participer à des ateliers puisse le faire dans sa langue maternelle? De telles solutions sont indispensables pour que chacun puisse pleinement exploiter la possibilité de participer à des rencontres aussi. Nombreuses. Je m'excuse, Mary, de ne t'avoir pas reconnu immédiatement. J'ai des problèmes avec la vue, mais en plus, tu avais le masque, ça doit être dû à ça. Il y a Giacomo Assoni qui a aussi une question ici, qui est avec moi sur scène. J'adresse ma question aux panélistes, aux intervenants. On disait que les institutions allaient utiliser l'IDEM dans la communication publique. C'est très bien. Mais c'est une solution qui est lié à certains problèmes aussi. C'est l'identificateur dans le cadre de l'IDEM. Ça complique certaines choses. Merci beaucoup, Giacomo, pour cette question. Je te remercie aussi de... Le texte vient ici à partir de la scène. Je ne sais pas si je devrais faire la question. La première question concernait la paix sur Internet. La deuxième, le multilinguisme pendant toutes les sessions pendant le sommet IGF. Et je pense que c'est un appel à action. Peut-être qu'après cette session, quelque chose va changer en cette manière. La question suivante, Giacomo, qui concernait l'idée des identificateurs IDN. Merci beaucoup pour ces questions. Je remercie les participants à Katowice de poser des questions. Chad et Alana ont apparemment stoppé leur caméra, donc je ne sais pas s'ils voudraient aussi essayer de répondre à cette question, mais... je vais donc passer la parole à d'autres intervenants. Je ne sais pas si Alana est avec nous. J'avais espoir que Alana est avec nous et qu'elle pourra nous dire quelque chose au sujet de la paix dans la région de l'Amazonie. Qu'est-ce qu'elle se référait à ceci dans son énoncé? Mais apparemment, elle n'est plus avec nous maintenant. Par contre, moi, je prendrais volontiers la voix à ce sujet. Nous nous occupons des questions d'enseignement aux gens
comment utiliser les médias de manière consciente. Parce que souvenons-nous que la désinformation se propage. Dans les dernières années, dans la dernière décennie, nous avons eu affaire à des problèmes, à des conflits qui basent sur la désinformation, en clair le fake news. Ceci se traduit en dimension réelle. Les gens ne vérifient pas toujours les sources de l'information qu'ils disséminent sur Internet. Même les personnes éduquées qui croient avoir accès à des informations vérifiées, souvent ne les vérifient pas, mais ils croient de manière aveugle à leurs amis sur des réseaux sociaux. Ils ne vérifient pas suffisamment ces informations. Les gens ne se rendent pas compte du fait que, de cette manière, ils disséminent des informations fausses. En fait, ils doivent vérifier d'où vient l'information qu'ils utilisent, qu'ils publient. Ceci crée des conflits dans le monde. Nous avons vu ça dans le cas du coronavirus, les informations qui étaient disséminées à ce sujet. Donc, je pense que pour arriver à se débrouiller avec ces conflits et pour couvrir la paix dans le monde, il faut apprendre, il faut enseigner aux gens comment chercher de vraies sources. Et de cette manière, nous pourrons promouvoir la paix dans le monde et le rétablir. Nous devrions travailler sur les questions. Plutôt, mettre en place des programmes dans le système d'enseignement. Ceci devrait nous permettre d'éviter la dissémination de la désinformation qui s'en base dans les sources. Moi, je représente un pays où les guerres ont lieu depuis que je suis né. Toute mon expérience est l'expérience qui est liée au conflit. Et la paix, pour moi, à mon avis, est très importante. Et il faut essayer de promouvoir par tous les moyens possibles, y compris Internet. Je passe la voix à Ramos. Merci pour cette question d'inspiration. Si la paix est considérée en catégorie de présence d'harmonie, nous verrons qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas d'harmonie. Il y a une dissonance entre les langues qu'utilisent les habitants du monde et les langues qui sont réellement utilisées sur Internet. Donc nous devons essayer de rétablir l'équilibre, faire en sorte à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans leur propre langue. Si de tels mécanismes sont assurés, nous rendrons possible la discussion qui, espérons-le, vont nous guider vers la paix, sur le sentier de la paix. Merci pour ces paroles pleines de sagesse. Maintenant, j'aimerais passer à la question de la question de Giacomo. Est-ce que c'est d'enregistrer les domaines dans plusieurs langues en même temps? Ensuite, je vais encore passer la voix à Maria. Nous dirons comment obtenir un tel système, comment y arriver à ça. Merci Giacomo pour cette... Vous savez bien que maintenant nous travaillons sur une tournée suivante du système d'enregistrement des domaines. Nous essayons d'ouvrir ce système qui pourra permettre d'utiliser plusieurs langues en même temps. Il y a des décisions de grande valeur qui ont lieu. Nous espérons aussi qu'il y aura des recommandations en la matière. La première tournée est derrière nous déjà, la première de discussion, mais le processus n'est pas encore terminé parce que nous voulions vraiment prendre en compte toutes les suggestions qui concernent éventuellement les corrections qui nous ont été proposées. Nous, en tant qu'organisation, comme communauté, nous devrions nous préparer à cette tournée de négociation qui va être entamée très bientôt. J'espère que dans les prochaines éditions, je pourrai vous donner plus de détails sur ce sujet. Bonjour, c'est une situation assez difficile parce que c'est une situation qui concerne en vérité tous les organes qui enregistrent les,
les domaines. Si ces organes s'entendent mutuellement et vont rendre possible une telle possibilité d'enregistrement des domaines dans plusieurs langues en même temps, ça sera bienvenu. Pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à un consensus ni à une décision univoque. Souvenons-nous que les domaines d'habitude sont enregistrés pour desservir certains marchés locaux ou certaines communautés locales. Ça voudrait dire que ça ne tient pas toujours debout d'enregistrer le même domaine dans une autre langue. Ce n'est pas toujours indispensable, mais c'est une possibilité qui doit être analysée. Merci, Maria. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait essayer de répondre à cette question? Nous avons entendu des questions de la part de Maria qui concernaient le multilinguisme. Il est très difficile de mettre en œuvre en pratique ces recommandations théoriques que nous créons. Malheureusement, parfois, ça exige de faire un compromis. Nous devons pondérer différents éléments. En ce qui concerne les langues, moi, je me suis préparé à cette session et je tenais énormément à ce que Alana, par exemple, puisse s'exprimer dans sa propre langue. Je voudrais la remercier d'avoir parlé en espagnol et non pas dans sa langue maternelle. Je parle du portugais. Nous voulons le rendre possible, malheureusement, nous n'avons pas réussi. Donc ce sont des enjeux, c'est un compromis qui sont inévitables. Mais nous prenons évidemment en compte toutes les suggestions. Et peut-être que dans le futur, nous rendrons possible aussi l'utilisation de d'autres langues. La possibilité d'utiliser d'autres langues à travers des plateformes modernes ou des systèmes. Je vous remercie. Et nous avons encore 5 minutes. Si vous avez des questions dans la salle ou si un de nos organisateurs veut prendre la parole, je vous invite. Et Suzanne est toujours avec nous. Suzanne, si tu veux te prononcer, je ne sais pas qui est dans la salle, je ne sais pas si quelqu'un sollicite le micro. Je tiens à souligner que si vous avez envie de vous prononcer, nous vous invitons. Je suis vraiment ravi de voir que beaucoup de personnes ont survécu jusqu'à la fin de cette session hybride qui a été très intéressante. Merci pour toi et Sonia d'avoir modéré cette session. Je remercie tous les intervenants, le secrétariat nous a demandé de préparer une synthèse de toutes les conclusions des sessions. Je prends mes notes au fil de l'eau. Malheureusement, on a perdu Suzanne. Veuillez me pardonner, je suis à la campagne. Je pense que tout fonctionne maintenant. Dorine l'a déjà dit au début que le multilinguisme a été identifié comme l'une des questions cruciales. Alors, du sommet mondial de la société informatique. Nous savons que la société numérique ne sera complètement inclusive si les gens n'ont pas la possibilité de communiquer en leur propre langue. Arana et Sharat ont ajouté également des commentaires très intéressants. Malheureusement, nous n'entendons pas Suzanne. Désolé, mais Suzanne, nous t'avons
perdu pour un moment. J'habite à la campagne. Je tiens à dire qu'il est important pour nous de bien comprendre l'importance de la relation entre l'acceptation universelle et qui est la fondation de l'Internet multilingue et la disponibilité des contenus en langue locale différente sur Internet. Je remercie les collègues de la Pologne, les animatrices et les intervenants. Nous te remercions, Suzanne. Il paraît que nous avons réussi à respecter le temps imparti. Nous allons encore partager notre compte-rendu et des informations supplémentaires. Je pense qu'il est important de protéger les langues primitives. Et tant que ce soit possible, nous ouvrirons pour protéger ces langues. Je remercie les intervenants et les auditeurs. À bientôt. We survived.